Je m'appelle Fatou Mandjangata, alias Sistefa, et je suis chanteuse, rappeuse, et je viens du Sénégal. Le rap, c'est une musique tout d'abord. C'est une musique qui fait des mélodies et tout, et des paroles qui servent à sensibiliser la population. Je fus victime de cette pratique qui est l'excision. C'est un rituel où on enlève les parties génitales de la fille. Je ne me sens pas comme une personne complète. C'est comme si je marche avec un doigt qui manque, ou bien avec une seule oreille. Donc je me dis qu'ils ont fait de moi quelque chose que personne ne peut me payer de retour. J'ai décidé que c'était important d'ajouter ma voix au mouvement pour l'abandon de l'excision. J'ai créé le projet Éducation sans excision, un projet fondé sur la musique et des ateliers pour aider à sensibiliser. Ils vont juste dire, oui, c'est un truc de femme, mais c'est sûr que si les hommes haussaient le ton et disaient, ça suffit, nous pensons que ça va vraiment disparaître. Donc nous, on est là un peu pour essayer de briser le tabou. Ça m'aime beaucoup, nous gagnons parce que fallait nous dire. C'est-à-dire, de nous voir avoir un tête de gueule, nous bail, c'est-à-dire du biri biri, bien diar. Nous pégou bouyegegi, nous sit do, futili nous choro, nous mirak ajaorao, au fugajem abekana jaoranango. Africa, what do?